L'équipe municipale a beaucoup investi dans les accueils de loisirs pour le bien-être des enfants. Tout au long de ce mandat, nous avons financé des formations pour les animateurs et les ATSEM. Nous souhaitons aussi accompagner les familles avec des ateliers parentalité. C'est dans ce cadre-là qu'ont été pensés les ateliers qui vont être animés par Agnès Dutheil sur trois thématiques différentes, les émotions et l'autonomie, l'autorité positive et les ados. Donc l'objectif de ces trois ateliers, c'est de permettre aux parents d'avoir un certain nombre d'informations théoriques, de pouvoir poser des questions, d'avoir des réponses à leurs questions. Et pour la ville, l'objectif, c'est de pouvoir retenir trois ou quatre questions à la fin de chaque atelier qui seront assez représentatives de chacune des thématiques et qui feront l'objet d'une réponse vidéo par Agnès Dutheil. Les vidéos seront diffusées donc sur le territoire mortagnais, donc sur les réseaux sociaux, sur le site internet de la ville. Et la petite originalité du projet, c'est que les vidéos seront diffusées au supermarché de la ville qui a répondu à notre proposition avec enthousiasme. Dans ce projet, c'est le fait que ça a pris en considération tous les acteurs autour de l'éducation. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé avec les animateurs du centre aéré, les éducateurs, etc., autour, voilà, qui reçoivent, en fait, qui accueillent les enfants dans l'année. Ce soir et pendant trois soirs, on travaille avec les parents. Et l'idée aussi, c'est de comprendre le besoin et les demandes des parents. Donc, c'est toute une réflexion, en fait, d'une commune autour de l'éducation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qui doit être aidé? Comment être aidé? De quoi les acteurs ont-ils besoin, de combien de temps, sur quel sujet, pour quelles questions? C'est que c'est compliqué parce que l'éducation aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très compliqué. On n'éduque plus les enfants aujourd'hui comme on les éduquait il y a 100 ans. Je trouve ça une super initiative que la ville organise ce genre d'atelier-là. J'avoue que c'est la première fois que je fais un atelier comme ça. Donc je viens pour voir comment ça se passe, pour rencontrer d'autres parents aussi, pour échanger avec d'autres parents surtout.